No, yo por eso miré, ya sé que me han pasado más allá. Es que con el video que estaba a ver, yo ocupé el reno. Es que te demás. Es que ya. Moi, comme de me répéter, mais ça va être Paris. Paris. Nantes, pardon, pas Nîmes. C'est vrai que je me trompais quelque part. Ah, ça, c'est un joueur qu'on va suivre de près aujourd'hui. Hein. Vous vous en doutez, il marque but sur but cette saison. C'est d'ailleurs le meilleur buteur de ce championnat. Et on compte sur lui pour animer ce match qui va bientôt commencer. 3, bonsoir 2, tout le monde. Vous avez rendez-vous avec le Parc des Princes ce soir. Et je peux vous dire qu'il y a du monde dans les tribunes. Et c'est bien moi, Hervé Matou, qui sera à vos côtés pour vous commenter ce match. Que j'espère aussi enlever que d'habitude. À suivre dans quelques instants, un match de Ligue 1 Uber Eats. Le Paris Saint-Germain face au FC Nantes. Allez, ça va être sympa ce match, j'en suis sûr. Après, voilà, c'est ma main. Il récupère le ballon sur cette interception. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Un corner qui sera dégagé. Il tente sa chance de loin. Et le ballon capté qui vient mettre un terme à cette occasion. Sera de marquer face à la meilleure défense. Alors derrière, c'est du solide, on le sait. On l'a constaté à plusieurs reprises. Et il gagne ce duel, il va repartir avec le ballon. Ouais, mais si, ça c'est bien joué. Le gardien qui repousse. Il s'en sort sur ce coup-ci. Il y avait un petit peu le feu quand même. Murphy. Oh, magnifique, le duel gagné. Super réflexe dans les buts. Ils sont à la lutte. Bernat. Sylvain. Daniel Kipembe. C'est pour le gardien. Midrange Doom à interception. Le ballon est perdu. Vas-y, il y a sûrement mieux à faire. Et il redonne le ballon à son nez. Attention, on ne peut plus l'arrêter. Attention. Oh, le but. Déjà un but. Ça démarre bien. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Attention, le tacle. Brozovic. Ballon perdu par les Parisiens. Les gars, ceux qui sont. Oh, il a perdu le ballon, attention. Je comprends. Donnez-moi. Une fois, mais pas deux. Là, on a failli assister à un doublé. C'est moi. Mais cette fois, ça ne rentrera pas. Je sais pas. J'espère que c'est moi. C'est mon numéro préféré. Le corner de Léo Messi, bien frappé. Ah, c'est contré. À nouveau contré, bien défendu. Ronaldo, Ronaldo, oh, magnifique. Quelle reprise. Et nous voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Un bon ballon d'attaque. La bonne opportunité pour le FC Nantes, peut-être. Et cette faute qui donne un coup franc vraiment dangereux. Ouh, le coup franc qui frôle le cadre. Et la défense toute heureuse de voir ce ballon passer à côté. Neymar.
Ouais, c'est joué par-dessus. Hors jeu. Attendez les gars. Le drapeau s'est levé sur ce bon ballon en profondeur. L'appel n'était pas excellent. Il a été déclenché un petit peu trop tôt et ben logiquement, l'assistant a levé son drapeau. Ah, c'est bien fait de la part du défenseur, vraiment très bien joué. On va peut-être assister à une contre-attaque. Bernat. Oh, ça peut faire but. Oh, il était là, excellente intervention. L'arbitre fait signe de jouer. Non, on peut continuer. Oh. Une minute, oh. C'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant. Oh là, récupération. Il est tout seul. Il s'échappe tout seul, balle au pied. Il est tout seul. Il est tout seul. Oui, Naldoum. Il était là. Ah, tu as retenu. Oui, Naldoum. L'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes. 2-0 au tableau. Attendez, les gars, normal. Allez, changement avec un joueur qui va rentrer. Allô ? Allô ? Désolé, là. Le match reprend à l'instant. Début donc de la seconde période. Bernardo Silva. Allez, la volée peut-être. Elle est rentrée. Ce ballon qui vient toucher le poteau, mais non. Le drapeau s'est élevé. Position de hors-jeu signalée. Wow. Oui, le bon contrôle. Oh, c'était pas un cadeau. Hein. Pourtant, le ballon est perdu pour tout le monde là. Oh, que c'est mal défendu. Ouais, tir lointain, très lointain, et surtout très lointain du but. On va avoir le plaisir de déguster de l'UEFA Champions League avec cette rencontre. Le PSG accueillera Manchester City à domicile. Ah, ce sera vraiment un rendez-vous à ne pas... Oh, attention, c'est pas fini. Le centre en retrait, attention. Oh, Bernat. Oh, quelle occasion, mais quelle occasion à bout portant. Pourquoi la jouer si forte, cette balle? Et ça fait une occasion de plus pour cette équipe, qui ne peut certes pas marquer à chaque fois, mais qui devrait encore marquer quelques buts supplémentaires si elle continue de dominer de cette manière. Ouais, c'est propre, ça. Et ça va s'arrêter là, très beau geste défensif. Murphy, et il dévie le ballon sur le poteau. Oh non, mais t'as vu deux fois les gars. La tentative a été déviée. Non. Il va y avoir un changement. Ah, il part bien, ce corner de Di Maria. Ah non, il n'est pas bien dégagé, ce ballon. Le tir. Oh, quel arrêt. Oh, ça frôle. Oh, quel arrêt, un plongeon exceptionnel. Oh. Il a touché. Quoi? Elle presse cette équipe. L'arbitre qui revient à la faute.
intervention. Il remporte son duel. Il vient au duel. Ouais, c'est dégagé, sans se poser de questions. Oh, là. Trop crevé. Oh, c'était important de faire ce tacle. N'oubliez pas, hein, tout à l'heure, le match très attendu qui devrait nous valoir de belles émotions. Belle opposition en perspective. Qui devrait nous valoir un bon match. Ouais, il est un petit peu pris là quand même. Le ballon change de camp. Ouais, signalé hors-jeu. Oh, ah, ça doit se jouer à pas grand chose. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Brozovic. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Attention, ça peut faire but. Un superbe balle piquée pour tromper le gardien. Ils vont capter que c'était trop ça. C'était trop ça. Intervention défensive, ouais, le tacle. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Messi. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Un ballon de Messi, c'est intercepté. Mais non, cette action ne donnera rien. Ça va devenir compliqué pour lui là. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Le gardien bien placé. Oh, mauvais endroit pour commettre une faute. Ça va donner un bon coup franc. Allez, ici. Allez, Messi. Messi. C'est pas assez travaillé, pas assez appuyé. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Reste l'équipe NB, il était là. Les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est terminé. Et c'est donc une victoire pour le Paris Saint-Germain. Le gars, dernier match. Parce que c'est climatique. C'est clair. Ils sont concentrés, ces joueurs. Ils savent qu'une victoire les qualifierait pour les matchs à élimination directe. Quoi qu'il arrive, le coup d'envoi est imminent. Bonsoir tout le monde. Vous avez rendez-vous avec le Parc des Princes ce soir. Et je peux vous dire qu'il y a du monde dans les tribunes. C'est Hervé Matou. Le PSG qui entend le bon résultat aujourd'hui peut, on le rappelle, décrocher son billet pour les huitièmes de finale de cette Champions League. Le Paris Saint-Germain contre Manchester City.
équipe locale qui va essayer d'aller chercher sa qualification. Il a débordé la défense. Sanderson! Oh oui, petit ballon piqué! Magnifique! Le ballon qui est au fond. Et le but. On va voir ce but. D'abord la passe en profondeur hein, qui a mis la défense aux abois. Qu'est-ce qui est beau. Qu'est-ce qui est beau. Le buteur qui finit le travail avec ce petit ballon déposé qui passe au-dessus du gardien. Voilà. Le PSG est bien placé pour l'emporter, qui met le score. Il y va tout seul. Il va tout seul. Anderson, là, sur ce 1 contre 1. Le corner de Léo Messi, bien frappé. La frappe. Et c'est renvoyé. Point Messi. Si, Messi qui marque d'une reprise magistrale. Fabuleux. Là, c'est dans les banks. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. Léo Messi. Ouais, le Paris Saint-Germain peut continuer, avantage. Théo Cancelo. Il s'avance vers la surface et il ne passera pas. Bonne interception. João Cancelo. Le gardien qui repousse. C'est touché hein, par le défenseur. Ce sera un corner. Il faut le faire combiner pour jouer ce corner. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Oh, bien coupé là par le défenseur. La bonne passe lobée dans le dos de la défense. Il a vu Kevin Neymar. Allez, il peut y aller tout seul. Il a vu Kevin Neymar. Ça fait but. Vamos. Le tir qui est resté au sol, hein, qui finit au fond des filets. Ce ballon en cloche qui a mis la défense en grande difficulté. Ensuite, il décide de conclure en force son face à face. C'était le bon choix. Il est beau, lui, là. 3-0, ils prennent le large. Oula. Carling, João Cancelo. Il est sorti tout seul du terrain alors qu'il n'avait même pas la pression. Allez, sur un coup franc pour les Citizens. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Contre-attaque peut-être. Ouais, la bonne passe de Neymar dans la profondeur. Au centre, il y a du monde. Il a pris une tête, là, mais qui est dégagé. Bah, après, hier, je l'ai vu mettre une tête. Face à l'Olympique de Marseille. La porte, oh, pas facile à jouer ce ballon. Il est sous Vas-y, pression. Il a la porte. Oui. Ah, le tacle est propre, efficace, très bonne interception. Ah, bon, oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là! Ouais, on a bien tiré au niveau du point de pénalty. Ouais, pas bien négocié ce ballon. Pour Koulibaly, ce ballon. Achraf Hakimi. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Paris. Zinchenko. Paris. Franck Yannick Caissier. Paris. Allez, après tout, pourquoi pas.
Ah, ils sont nombreux, il ne faut pas gâcher ce ballon. On tacle, et le ballon qui sort en touche. Ouais, bien défendu, le ballon qui sort en touche. Il faut qu'il centre maintenant. Ce sera une touche. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Riyad Mahrez. Le ballon est perdu. On vient d'assister à une première période à sens unique avec 3 buts à la clé. Allez, le coup d'envoi de la seconde période qui vient d'être donné. On rappelle que le Paris Saint-Germain mène au tableau d'affichage. Le gardien, grand coup de tatane devant, il dégage ce ballon. Est-ce qu'il va centrer ? Oh, que c'est mal défendu. Attention, Navas, il a relâché le ballon. Oh. Ouais, quel but ! Magnifique ! Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Non. Bonne interception d'Emeric Laporte. Oh non. Les gars, vous avez vu que je me suis blessé ? Ça peut être dangereux là, s'il lance la... En plus, je peux sortir du coup, non ? Ah non, c'est bon. Contre-attaque. À la défense a vite réagi hein, face à cette contre-attaque. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Hors-jeu, indique l'arbitre assistant. Allez, les deux entraîneurs vont changer un petit peu. Oh, ça va, c'est juste un petit peu. Non, encore, c'est un petit coup. Non, c'est pas très étonnant hein, de constater que c'est l'équipe visiteuse qui a la possession. Bon, maintenant, il va falloir songer à se créer de vraies occasions. Sinon, le score ne bougera pas. Vous voyez ce rendez-vous, ce qui nous attend tout à l'heure, ça fait envie. Tout indique qu'on aura un bon match hein, dans quelques instants. Péché qui perd ce ballon. Wout Weghorst. Kevin De Bruyne, ça n'a pas profité, on revient à la faute. Avec ce changement tactique, l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe. Ouais, excellente intervention, il récupère ce ballon. Messi. Bernard Lopez. Achraf Hakimi. Le pressing qui paye dans le camp adverse. Oh, de l'air pour la défense avec ce dégagement. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin celle-là. Ah, sur le banc de touche, on a estimé qu'il fallait changer quelque chose. Le corner de Léo Messi, bien frappé. Le corner qui sera dégagé. Alors qu'on signale une évolution de score dans le match du RB Leipzig. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de Leipzig. On en est donc à 2-1 alors que la rencontre a débuté il y a 73 minutes. C'est parfait, merci pour ces infos. Ouais, très bon duel défensif, bien joué. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Sterling. João Cancelo. Ils reprennent possession du ballon. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Ouais, bel effort défensif de l'attaquant pour venir disputer ce ballon. Ouais, il a le temps de centrer.
Ouais, alors ça, c'est une frappe. C'est, on ferme les yeux, on tape dans la balle, on prie très fort. Maximiliano Gomez. L'attaque est propre, les ballons toujours en jeu. Neymar. Allez, le ballon en retrait, attention. Bon, dégagement, sans se poser de questions. Et il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération. Wijnaldum. Murphy. Personne. Oh, la parade réflexe. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Il a mis toute la conviction nécessaire dans cette tête, mais le ballon n'était pas cadré. On a gagné. On est qualifié, on est qualifié, on est qualifié. Oh! Bon, mais les gars, ces deux matchs, j'aurais pas parlé beaucoup de la vidéo en vrai. Mais on a gagné, les gars. Et cette rencontre qui s'achève à l'instant sur cette belle victoire pour le Bayern. Ok. Sinon du match. Ouais, j'ai trop fait de l'UEFA Champions. Bon, mais les gars, on va faire la compétence ensemble. Non. Voilà. Voilà, c'est le trigger pour le temps. Ah, il m'en manque. Les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Allez vous abonner à Somagen. C'était Kylian. Ciao les gars.